On sait enfin qui va remplacer Laurence Boccolini. Alors que l'animatrice quitte l'animation de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, France Télévisions lui a trouvé un remplaçant. En effet, lors de la conférence de presse qui s'est tenue le mardi 11 juillet 2023, et à laquelle Téléstar a assisté, le nom de son successeur a été annoncé. Plus de suspense donc puisqu'il s'agit de Jarry. Déjà à la tête du Big Show, l'homme de 45 ans va donc démarrer une nouvelle aventure sur la case du midi. Humoriste et acteur, Jarry a réussi le pari de convaincre la chaîne tandis que Samuel Etienne qui anime Question pour un champion, Jean-Luc Lemoyne qui présente Samedi d'Enrire, Damien Thévenot qui officie sur Télématin ou encore Vincent Cerutti, qui a animé Danse avec les stars ont tous passé le test pour arriver à la présentation du programme. Il a également outrepassé Sarah de Padoue et la présentatrice météo, Julia Martin qui avait tourné un épisode test. Tout le monde veut prendre sa place, Jarry devient le troisième animateur à noter qu'avec cette promotion, Anthony Lambert, de son vrai nom devient le troisième présentateur du programme. Depuis son lancement en juillet 2006 jusqu'au 9 juillet 2021, c'est en effet Nagui qui était aux commandes. Ce dernier a ensuite laissé sa place à l'animatrice du maillon faible qui n'a tenu que deux saisons et qui a décidé de partir pour cause de différends avec la chaîne. Ce fut une très belle aventure de deux ans, où j'ai pu vivre de formidables moments auprès de tant de candidats. Cet exercice me remplit de joie à chaque fois. Je ne garderai de très bons souvenirs. Avait-elle confié à Pure Media. Reste à savoir maintenant où les téléspectateurs pourront retrouver Laurence Boccolini à la rentrée. Il est temps pour moi de partir vers de nouvelles aventures, de nouvelles créations avec France Télévisions, toujours dans le but d'apporter un peu de sourire et d'humour, car si est tout ce qui compte, faire mon métier tout simplement. Avait-elle ajouté. Affaire à suivre.